Et désolé, la vidéo commence pas tout de suite. Je fais ce petit message en début de vidéo par rapport à ce qui s'est passé ce matin, voilà, au Charlie Hebdo. Je pense que vous en avez à peu près tous entendu parler. Donc je tenais à faire un petit mot au début de cette vidéo plutôt que de la poster seulement demain et de faire comme si rien n'était. J'avais quand même envie de dire un petit mot sur ça. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire à part bah merde quoi. Merde, c'est choquant, c'est outrant, c'est attristant. Enfin, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est quelque chose de très dur. Et je voulais juste apporter mon soutien aux familles des victimes parce que je pense que c'est l'important, voilà. Et puis courage à vous. Et voilà, on est tous avec vous, je pense, ici présents. Et puis j'espère que justice sera faite. Voilà, ça me tenait à cœur vraiment. Merci beaucoup d'avoir écouté et puis bonne vidéo. Yo tout le monde, c'est Squeezie. Aujourd'hui, on se retrouve sur Haunted Memories qui vient de sortir il y a un an. Qui vient de sortir il y a un an. C'est parti. Alors, il y a plusieurs épisodes. Il y en a deux. Voilà, on commence par le 1, ce qui est plutôt logique. Poil de chat dans le clavier, merci. Ah, ça vous plaît les anecdotes comme ça, un peu nul? Moi, ça me plaît. Un homme qui se relève du sol. Qui est haut, qui se tient plutôt bizarrement. Mon dieu, où je suis? Quel est cet endroit? Nous ne savons pas. Alors, oh, il y a de la lumière là-bas, mais il y a un gros trou. C'est notre voiture! Ok, c'est parti, on y va, mon gars. Ah putain, nickel, première épreuve. Ok, bon, putain, grosse épreuve, hein. Wouh! Ah! Oh, c'est quoi ça, mec? Qu'est-ce que c'était? C'était Slender, mais avec des branches sur lui. Il a fabriqué une ghillie. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est une combinaison des snipers. Du coup, il y a une sorte de Slender à certains endroits. C'est ça l'histoire. Oh putain, mais il y a trop de chemin quoi. On continue. Ok, petit coup de tonnerre. Oh, c'est classique, hein, c'est faible. Hein. Alors, ah, c'est bien, ces petits troncs d'arbres parallèles m'indiquent parfaitement où il faut aller. J'adore vraiment. Bah, c'est peut-être Slender qui les a mis là. Enfin, Slender araignée. Slender ghillie, on va l'appeler. Ou Guy, ou s'en fout. Je suis où? Nickel, je suis dans un bug. Vous foutez de ma gueule, putain. Mais non. Eh ben, ça commence bien. Oh. Ok, le mec il fait des sauts de fou. Wouh. Non mais c'est incroyable quoi. Ça veut dire quoi ça? Ah. Quoi? Non mais ok, épisode 2, voilà. Épisode 1 c'est fait. De toute façon l'épisode 2 je sais qu'il est mieux. Il est beaucoup mieux. Hello. Ça va par ici? Oui, ça va. Oh. Ah non, on est d'accord, il y a un problème, c'est vrai. On dirait qu'il est en train de mourir en étant debout vivant, quoi. Là, il cherche à manger comme les poissons dans l'eau. C'est parti, on doit suivre cet homme. Attends, mais il est carrément incroyable, quoi. Bon, j'ai envie de faire direct l'épisode 2, parce que l'épisode 1, c'est un peu du vu et du déjà vu. On est dans une forêt, il y a un monstre, ça fait peur, voilà. Là, je crois que ça se passe dans une maison. Je me suis autorisé à allumer l'intérieur et à démarrer un feu. Il me dit qu'il y a plein de chambres qui sont pas utilisables pour le moment. C'était quand la dernière fois que des gens vivaient là? Officiellement, un couple, il y a quelques années. Il y a quelque chose que je devrais savoir? Il a dit qu'il répondra à toutes mes questions demain. Mais ça, vous voyez, c'est un escroc, putain. Un escroc qui déjà a l'air mort. Est-ce qu'il va se passer un truc un jour dans ce putain de jeu? Je crois que ça va plus nous plaire que l'épisode. L'épisode 1 était un petit peu, bon voilà, Slender Gilly, il était rigolo 2 minutes, hein. Oh, nous arrivons, attention. Oh oui, nous pénétrons dans la demeure. Il rentre. Et donc? Et alors? Il se passe quoi? Il se passe quoi, mon gars? Non mais il est car... Mais regardez, on dirait qu'il veut me serrer la main tout en portant son truc. Carrément, je suis tiens, je te serre la main. What the fuck? What the fuck? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel, mon gars? Mais what? Mais je vous dis qu'il décède debout. Je vous mens pas, vous voyez bien. Regardez ce putain d'œil. Ah, va-t'en. Va-t'en au coin. Oh, mec, c'est incroyable, quoi. J'ai lu qu'ils avaient arrêté de développer le jeu avant la fin du développement. Mais oui, putain, oui. Regarde. Oh putain, on y est. Je dois admettre que je n'expectais pas ce que je mette. Cet endroit est incroyable. Donc demain, quand les formalités auront été faites, je serai content de te faire un tour. Maintenant, excuse-moi pour un moment, j'ai besoin d'utiliser la restroom. Non mais j'en reviens pas du bug, c'est incroyable quoi. En 4 ans, on n'a jamais vu ça dans un jeu. Ah ça y est, la petite musique commence direct. Voilà, il y a des esprits qui rôdent, hein, on peut le dire. C'est ça les documents? Wow! Pourquoi il y a des traces partout? On dirait du sang, vous savez, quand on met la lumière violette comme ça devant. Je peux pas allumer une lampe quelque part, faire un truc. Bon, il faut qu'on retourne. Bah, ça se trouve, c'est le vieux, il est plus là. Donc, ça se trouve, c'est lui qui me fait une blague finalement. On sait pas. Oh, une sauvegarde, oui! Où est la lanterne? Il y a du piano, on peut faire du piano? Non, mais regardez! C'est entouré de bleu, logiquement, ça veut dire qu'on peut interagir. Il est parti par là, le mec, on devrait retomber sur lui à un moment donné, c'est pas possible. Voilà, là-bas par exemple. Putain, on voit que dalle! Il y a des bougies partout, au pire, t'en prends une pour t'éclairer, putain, non. Qu'est-ce qui me bloque? Eh, j'en peux plus là-haut! Il faut s'imposer aussi à un moment dans les jeux, hein. Sinon, vous lui vouloir donner la main, ils vous prennent le bras, hein. Il y a du putain de sang là, t'aurais pu le voir en arrivant, non? Ah non, c'est peut-être juste de la moisissure. Bon, dans tous les cas, sans moisissure, tu rentres pas dans cette putain de maison. Mais pourquoi il y a une bougie là, mec? Ah, il a dit qu'il a mis des trucs pour éclairer les pièces, mais à 2 endroits et demi. Sur 122 endroits. Là-bas par terre, c'est une lanterne, mec. Voilà, mon gars! Oh god! He's dead! Je ne devrais pas rester ici. Tu parles de qui? Mais putain! Mais putain, c'est le mec mort de tout à l'heure, mon gars! Mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce que tu fous là, mec? C'est toi? C'est toi qui as fait ça? Hein? Il y a 2 baignoires? Mais c'est. En plus, il est mort en faceplant, quoi! On dirait qu'il a fait un AVC et qu'il est tombé droit dans la baignoire. Non, mais j'en peux plus, quoi! Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce que ça dit? Le mannequin chelou. Ici présent. Ah! Donc je dois m'en aller parce que sinon lui il va mettre un coup de couteau. C'est ça qui s'est passé. Il est... Bon, y a pas de sang sur toi, mais ça doit être ça qui s'est passé. J'étais à l'œil, hein. Attention. Ah! Ah!
calm down, ok? I have an American accent, so don't do any... Motherfucker, c'est ma répartie américaine, hein. Bordel, qu'est-ce que c'était que ça? Je n'en sais rien. Oh, bâtard! Non! Oh, je déteste ça! Je déteste ça quand ça... Oh, putain, j'ai horreur de ça, mon gars. Oh, non, il va avancer un peu à chaque fois! Non! Non, laissez-moi! Laissez-moi, allez tous crever, putain! Allez, toi! Ah, 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 il y a un truc qui me bloque. Je te vois, je te vois, je te vois. Je te vois plus, mais je vais pas tarder à te revoir parce que t'arrêtes pas de venir vouloir me faire un câlin. Ok, ok, à reculons toujours. Il est là, mon gars. Il est là, je propose que à 3 en cours. 3! Ah! Ah, il vole, mec! Il vole, putain, il fait partie des DC Comics ou d'avait. Mec, quel est le fuck? Faut aller où? Putain, il bloque tout, mec. Il bloque tout. Do that, baby, do that. Iggy, Azale et Squeezie. Voilà, attendez, faut sauvegarder. J'ai cru que ça avait planté, j'étais en dépression. Visage de la dépression. Voilà, c'était ça, j'étais très mal à l'aise à ce moment-là. Là, maintenant, on peut se barrer, mec. Je suis mort. Bravo. Bah, bravo, la réflexion, elle est où, Lucas? Chargé. Mais charge-le, putain. Oh, j'en ai marre, j'en peux plus. Ah, j'ai pas eu le temps de sauvegarder, en fait. Ah, il faut qu'on retombe sur l'homme décédé. Ça, c'est pas la position de la masturbation. Il se masturbe, mec. Il se masturbe sur le vieux mort, putain. Je me tire. Il y a un bug, ça veut pas se déclencher, je vous jure. Et, vous voyez, j'ai raison, putain, il a. Waouh! Un parpaing, hein? Est-ce que ça va se déclencher un jour? Allez! Allô! Non, faut que je refasse tout le jeu! Faut que je. Oh oui, ça recommence, mon gars! Et du coup, je peux le virer de chez lui, comme ça. Hop, va-t'en, barre-toi. Je lui fais redescendre les marches tranquillement. Et comme ça, je lui vole carrément son hôtel. Voilà. La porte est par là. Ah! On a trouvé la porte, mon gars! On s'en va! Bah, c'est fini ou pas? Ah, il y a une page, j'ai une clé. La clé de quoi? Bah peut-être du portail, non. J'aurais aimé qu'il se ferme et qu'il y ait la clé de ce portail dessus. Faut peut-être retourner, c'est la deuxième porte. On est dans le dortoir et maintenant qu'est-ce qui se passe? Hop, c'était pour passer la petite barricade, mais oui très... Ah, très malin cet homme. Oh, beaucoup moins malin, beaucoup moins malin. Eh ben on y va, y a aucun problème, je vous aime tous beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, ah, on va en haut. Ah, ça monte encore. Sophie, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas faire ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu penses? Pense-y, quel est le point? Attendez, moi je pense juste pour le moment à casser ça. Je peux pas? Oh non! Pensez que c'est chaud, j'ai le même destin qu'elle? Non, on va pas tenter. Tu étais comme une morte pour moi. C'est ce que tu étais, Sophie. Je suis désolé un moment, mais c'est la vérité. Alors, on va se tirer d'ici. Oh. Ah, les bougies s'envolent, nickel. J'avais même pas vu. Il monte là. Eh, si je... D'accord, bah j'allais l'agresser, mais il a dit, ferme ta gueule. Une horloge à côté d'une porte. Et j'ai une hache. Ça marche, merci. Là, il y a une porte ou pas? Là! Yeah! What you gonna do when we're coming for you? Bad boy, bad boy. Tu vas reprendre ça? Elle éclaire plus. Mais attendez, mais ça, on peut l'utiliser? Non, tu veux pas. T'as pas envie. Pourquoi ma lanterne n'éclaire plus? C'est quoi ce... On se barre, écoutez. Comment ça me faire chier, là, hein? M'en fous, j'y vais comme ça. Et pourquoi ma lanterne ne marche plus? J'ai de l'huile, j'ai tout ce qu'il faut. Je vois pas les chemins, je sais pas où faut aller, du coup, parce que regardez, je suis complètement... Oh, je suis complètement dans le noir, mon gars. Et y a mon bras qui s'excite. Y a mon bras qui s'excite. Mon dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé? Putain, je suis l'un truc que la fille dans Paranormal Activity. Bon, et ben voilà, genre, c'est la fin de cette vidéo. J'espère quand même que ça vous aura plu. On aura rigolé. Voilà, au lieu d'avoir peur, on aura bien rigolé. Enfin, j'espère. Enfin, si vous avez pas ri, bah vous avez tout perdu, quoi. Vous avez pas eu peur, vous avez pas ri, vous avez rien. Allez, c'est l'heure de se quitter. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao tout le monde. Peace.